Donc le coffret a déjà été installé sur un mur. On va, avant de procéder au branchement, l'ouvrir. Donc il y a 4 vis à enlever autour du coffret. À l'intérieur du coffret, on retrouve un interrupteur différentiel qui est obligatoire dans une installation piscine, qui n'est pas forcément dans ce coffret électrique, mais dans ce cas-là, il y est. On a l'horloge qui va permettre de paramétrer la pompe de filtration, les horaires de filtration. Le disjoncteur magnétothermique qui vient en protection de la pompe de filtration. Le contacteur dans lequel passe la puissance et sur lequel on va raccorder la pompe de filtration. On a aussi un transformateur 12 volts, 100 VA, qui permet d'alimenter les projecteurs, donc sur lequel on va brancher les projecteurs. On a en dessous, on ne le voit pas très bien ici, un domino avec des entrées marche forcée interdipompe pour brancher une sonde orgel qui permet de forcer la filtration quand la température de l'eau est trop froide. Et on a tout en haut un bornier téléo qui permet de brancher une télécommande radio. On va rentrer la pompe de filtration en premier, percer en dessous. La pompe de filtration qui se branche sur le contacteur, sur les bornes 2 et 6. Ensuite, on va brancher, on va mettre l'alimentation. Donc, on fait passer le câble d'alimentation. Donc là, on va alimenter directement sur l'interdifférentiel et la mise à la terre. Ensuite, on va venir brancher le projecteur. On va faire un petit truc propre passer derrière. Les projecteurs sur les bornes du domino. Voilà, on a branché tout ce qu'on avait à brancher dans le coffret. Donc on va pouvoir refermer le coffret.